slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour faire part d'un glitch qui vous permettra de réaliser une tornade dans votre garage. Donc ce glitch était déjà présent en 1.13 je crois, je l'avais déjà sorti sur ma chaîne. Étant donné que Rockstar ont retiré le patch, je vous le repropose à nouveau. Donc il est beaucoup plus long que la manipulation d'avant en début de manipulation, mais la fin de la manipulation est vraiment beaucoup plus courte. C'est vraiment beaucoup plus rapide de provoquer la tornade plus qu'autre chose. Donc pour réaliser ce glitch, il vous faudra acheter 10 Tanking XL. Donc vous les achetez tous, vous les mettez dans votre garage. Après moi je vous donne la manipulation si jamais vous voulez tester, mais moi je vous conseille de regarder la tornade qu'il y aura en fin de vidéo, parce qu'elle était vraiment gigantesque. Et quand je l'avais fait pour la première fois, ça n'avait pas fait autant de dégâts que ça, il n'avait pas fait autant d'effets. Là c'était vraiment très impressionnant, donc je vous invite à regarder en fin de vidéo. Donc pour réaliser ce petit glitch, une fois que vous avez tous vos Stanking XL, vous allez sélectionner 5 Stanking XL, donc une colonne, donc soit la colonne de droite comme moi ou la colonne de gauche comme vous voulez, et vous allez tous les détruire un par un. Donc vous les sortez de votre garage, soit vous les détruisez vous-même, ou alors vous demandez à des potes qu'ils vous les détruisent. Moi j'ai demandé à Elena et Baigoma de les détruire. Je leur fais une grosse dédicace. Merci de m'avoir aidé à réaliser ce petit glitch qui était vraiment très très drôle. Donc une fois que vous avez détruit tout cela, vous devrez rentrer dans votre garage. Vous allez devoir rentrer dans votre garage et monter dans un Stanking XL. Donc soit vous preniez le premier, vous devez monter dans tous les Stankings juste après dans tous les cas. Une fois que cela est fait, vous invitez vos amis dans votre garage et vous allez leur demander de pousser votre voiture sur de l'autre côté à la place de l'autre véhicule. Une fois que cela est fait, et c'est la partie la plus longue et la plus dure j'ai envie de vous dire, parce que quand vos potes vont essayer de pousser le véhicule, ils vont soit tomber dans le vide ou alors ils vont mourir, parce que c'est Rockstar qui a mis ce patch en 1.17. Je vais vous montrer quand même comment le placer une fois, et après je ferai une coupure parce qu'on a pris quand même 5 minutes à placer tous les véhicules parce qu'ils n'arrêtaient pas de mourir. C'était vraiment super chiant. Donc vous montez dans n'importe quel Stanking XL, vous demandez à votre pote qu'il ouvre la portière de passager et qu'il pousse le véhicule juste en face. Donc vous essayez de bien le caler, vous voyez à peu près dans tous les cas où se place le véhicule, etc. Quand il va réapparaître, vous faites ça jusqu'à avec les 5 véhicules qui restent. Et après je vais vous donner le reste de la manipulation. On va faire une toute petite coupure parce que ça a été vraiment super long. Donc vous les placez bien contre le mur. Et voilà, à tout de suite. Donc une fois que vos Stankings sont bien placés, vous allez tout simplement vous éloigner un peu des Stankings, parce que sinon vous allez valser dans tous les sens. Vous allez voir que mon jeu va vraiment laguer, c'était juste incroyable. Et une fois que vous avez placé vos Stankings comme moi sur la vidéo, vous allez sélectionner votre téléphone, vous allez appeler la Mutual Morse et vous allez sélectionner l'option qui a été rajoutée en 1.17, qui est vraiment merveilleuse, et vous allez sélectionner tous. C'est-à-dire que tous vos véhicules vont réapparaître en même temps, et comme vous le voyez sur mon écran, les véhicules ont réapparu en même temps et c'est comme s'il y avait une tornade dans mon garage. Mon jeu est complètement en train de laguer, vous le voyez bien, le téléphone bug, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, moi je vais vous laisser sur ces images. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo sur Facebook et Twitter, ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.